Bon, ok, avec les, à tous les coups, 5 points de QRM au QRA, forcément, ça le fait pas. Ah, 88. Je suis sur la rocade de Bordeaux, là, à la hauteur de Mérignac. Hein. Là, sur la zone de chantier, là, sur la rocade. Ok, voici la maison. Ah ben oui, t'as vu ce temps un peu aujourd'hui, on a tout eu en journée. On a eu du temps de novembre au mois de... Enfin, du temps de mars en novembre et on est au mois d'août. J'ai entendu que c'était au mois d'août, je suis ravi de l'apprendre. C'est pas grave. Ton collier est arrivé. Ah ouais? Et tu t'es amusé à le tester? Ah, j'ai pas tout compris là, vas-y. Ouais, je dis, tu t'es amusé à le tester? Ok, toi, tester colis. Ok. D'accord, ça marche. Bon, là, je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie 7, sortie Bouska Isine. Voilà, donc là, je suis quand même assez loin. Hein. J'arrive à t'entendre et à te comprendre. Waouh, tiens, il y a un léger arc-en-ciel là qui se dessine. Agré, comme tu disais, qu'il y a un QRM de 5 à la maison. Ah oui, effectivement, tu m'as entendu. Ouais, c'est chiant ça. Là par contre, pour ça, là j'ai pas de solution là. Voir si déplacer la maison sur la colline, en haut. Attends, j'entendais quelqu'un parler derrière, je ne savais pas trop si c'était toi ou je ne savais pas trop. Attends deux secondes, j'en ai un qui essaie de me faire un coup de Trafalgar, voilà, ça y est. Non, c'est vrai que c'est assez calme. Mais bon, je suis un peu étonné quand même parce qu'avec le temps qu'il a fait, il y a de la flotte de partout et tout, ça. En principe, ici, ça a vite fait de boucher, quoi. Oui, c'est vrai que sur Bordeaux, il a bien plu. Hein. Il a fait un petit peu d'orage dans la maison vers 5h. Il a fait un petit peu aussi. Ok, ouais, je suis en train de. Voilà, je viens d'arriver au lac. Alors là, je t'entends, mais hyper fort. J'ai regardé, c'est du Santiago 5 apparemment. Voilà, ben oui, tu m'étonnes, avec la flotte du lac, tout ça, là, ça donne un bon petit coup de pouce. Quoi. Ça fait ton fil conducteur. On va dire ça comme ça, oui, effectivement. Ça fait comme un gamin qui jette un caillou sur la flotte, ça fait des ricochets par rapport à la terre ou ben voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas aujourd'hui, mais j'en ai pas fait plus qu'hier et peut-être même un peu moins. Ouais, moins qu'hier même. Effectivement, quand c'est comme ça, la journée est longue. Hein. Oh bah tu m'étonnes, j'ai passé tout l'après-midi à somnoler, quoi. C'est à ce point-là, quoi. Ouais. Ah tiens, je suis en train de passer le long là, d'Auchanlac. Hein. Voilà, j'ai le pont d'Aquitaine en ligne de mire. Ah, du coup, bah, j'en ai profité pour me faire de nouvelles captures d'écran là sur le téléphone. Pour les prochaines programmations que je ferai là sur les réseaux sociaux. Oui, ben voilà, c'est bien fait. Oui,
parce qu'en plus de ça, sur le téléphone, Facebook, moi, ça merde à fond. C'est... là, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment l'après-midi, mais systématiquement, je me retrouve à ne plus pouvoir rien faire dessus, à ne plus pouvoir aller dans les menus, ceci, cela, les notifications. C'est plus pouvoir aller sur les groupes. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, c'est, en ce moment, l'après-midi, c'est vraiment pourri, moi, sur, avec ça. C'est surprenant, hein. Ça prend une mise à jour, en France. Ben, moi, je veux bien. Mais faudrait déjà que Google, que Android, ou enfin bon, bref, me la propose, les mises à jour. Je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Ah ben alors là, je t'entends, je suis dans la montée. Hein. On regardera dans ton téléphone pour les mises à jour. Oui, oui, non, mais ça d'accord, mais bon, tu sais, on le voit, hein, qu'on va y jeter un coup d'œil. C'est un pilage, je l'ai mis à jour récemment. Quoi. Voilà, je suis en train d'arriver là en haut du pont d'Aquitaine. Voilà, ok. Voilà, je suis sur le tablier tout en haut du pont d'Aquitaine. Là, je dois faire un petit peu de bruit, là, je pense. Ben, c'est pour te dire que ta grande bouche, je l'ai très bien entendue. Ah, ben oui, mais pourtant, je parle pas. Si je dis je parle pas si fort que ça, j'ai l'impression de dire une connerie sur le coup, là, vu que tu me connais. Non, mais c'est vrai, je t'entends très très bien. Ouais, et au niveau calage en fréquence, je pense que là ça doit être bon, tu m'entends comme il faut, pas trop grave, pas trop aigu de ton côté. Ben voilà, moi je t'entends bien, effectivement, pas trop grave, pas trop aigu. Ok, ouais, donc, ouais, parce que j'ai un petit peu rectifié là, de mon côté, là, avant que je t'attrape, là, sur d'autres stations que j'entendais plus haut. Ok, ben moi de mon côté en tout cas là c'est vraiment comme il faut, là le réglage est vraiment très bon. Hein. Ah oui, ben je retrouve comme il était, comme Jean-Bernard l'avait mis quoi. Voilà, hein, ni plus ni moins comme lui l'avait réglé. Oui, ben voilà, c'est bien. En fait, je fais une petite vidéo là, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Kono, ben. Eh ben oui, Kono, c'est pas parce que t'as un clignotant que t'es prioritaire. Oh putain, mais c'est hallucinant ça les gens. Ils mettent un clignotant, ça y est, ils s'imaginent prioritaire. Ça y est, il m'a fait râler celui-là. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je sais bien, ouais. Mais il y en a qui cherchent des... Moi, je dirais pas quoi. Ben voilà, reste zen. Oui, madame. Bon, voilà, je suis Rocade Est. Donc, c'était justement sur la bretelle d'accès de la Rocade Est que l'autre tordu, là, s'y croit prioritaire avec son clignotant. Putain, mais là je t'entends même mieux, quoique les conditions sont différentes par rapport à la dernière fois que je te vis en fréquence. Pourtant là au début c'était pas gagné. Hein. Dès la sortie du boulot pratiquement je t'ai entendu. Hein. Mais j'avais des espagnols là sur le canal, donc c'était pas évident. Là, moi, je suis en plein sur la zone de chantier, là. J'ai pas mal de QRM, hein. Donc là, c'est un peu... c'est pas trop évident. Je suis dans le trou, là. Attends, voilà, que j'attrape la sortie 26. Ok, voilà. Bon, ça va bientôt s'améliorer. Alors, attends que je commence. J'attrape le virage de la sortie 26. Voilà, comme d'habitude, tout le monde se met à gauche, c'est bon, alors qu'il n'y a personne à droite, c'est nickel, j'y vais tout droit. Voilà, là ça commence, ça doit aller mieux. Alors attends, l'autre, il met son clignotant à droite pour se mettre sur la voie de gauche, c'est super. Voilà, ok, je suis au feu en haut de la sortie 26. Là, ça doit repasser comme il faut à nouveau. Oui, c'est un peu mieux quand même, on entend plus clairement, quoi. On pense que...
Ah ben c'est déjà pas mal. Si on arrive à se comprendre, c'est déjà bien, c'est bien parti. On va pouvoir faire un petit bout de route ensemble. Ah, j'allais dire que si on arrive à se comprendre, on va pouvoir passer notre vie ensemble pour le coup. Moi je pense que c'est ça aussi. Voilà, je redécolle. Ah, je suis au-dessus de la rocade. Ah bah alors là, je sors pas nickel. Eh oui, le pont. Les ponts, ils sont en béton armé. Et dans le béton, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la ferraille. Donc là, au niveau du plan de masse, là, c'est nickel. Là, par contre, là, je suis au niveau des feux. Qu'est-ce qu'il y a comme parasite, là, ici? Aïe, 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 aïe. Attends, voilà, ça y est, je redécolle. Et l'autre sur la voie de gauche qui s'est endormi. Voilà. Ok, voilà, je suis en train d'arriver au niveau à la hauteur de la sortie d'Artigue avec Brico Dépôt et tout. Ok. Voilà, courte paille sur ma droite. Ah putain, aujourd'hui, heureusement que j'ai pas pris la moto. Hein. Mais oui, parce qu'il m'a pas semblé en avoir entendu parler en plus à la télé. Je sais pas, j'ai peut-être pas tout suivi aussi. Eh bien nous, quand on a mangé au boulot, on a regardé la télé en même temps, et effectivement, ils annonçaient des orages et de la pluie. On s'aperçoit ici sur la Gironde. Et bien, c'était bien pour nous, quoi. Ah ben oui, si c'est pour la Gironde, forcément, c'est pour nous. Ouais, attends, excuse, je t'ai coupé sur la fin. Ouais, non, mais je sais bien. Mais là, quand tu vois le ciel, c'est un gros couvercle qu'il y a au-dessus de nous. C'est, il ne doit pas y avoir grand-chose d'épargné là sur la Gironde. Et surtout qu'en plus, dehors, il fait hyper long, c'est droite. Ah ben, et puis en plus de ça, c'est de l'eau qui mouille. Hein. Forcément, ça peut être moite. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que nous, quand le ciel s'est assombri, ça fait qu'il y a fait encore plus chaud. Ouais, là, mais je sais bien, je déconne. Ça fait exactement la même chose là au boulot. Hein. Là, à chaque fois avant que la pluie ou quand la pluie commençait à arriver, la température montait et ça faisait moite. Ça fait ça. Ouais, non, mais bon, de toute façon, cet après-midi, on a passé l'après-midi à l'intérieur, à l'abri, avec la clim, ceci, cela. Il nous manquait juste quelqu'un pour nous amener, on va dire, des petits amuse-gueules, des petits trucs et tout ça. Oui, ça aurait été pas mal sympa, ça. Eh oui, ben non. Ouais, je suis en train d'amorcer la... Attends, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ok, je laisse passer. Attends deux secondes. Ah non, c'est bon. Ah mais c'est vrai qu'au niveau de circulation, toute l'année comme ça, ça serait pas mal, ça serait pas mal sympa. Quoi. Bon, moi je suis sûr de ne pas arriver sur des coups de 20h le soir. Ah ouais, c'est pas tout à voir. Ah, je suis dans le trou du trou de la poste. Voilà, j'attaque la remontée. Thank you.
ta journée s'est bien passée? Bon, on va s'arrêter. Bonsoir, mais bon, fait. Ouais, il y a eu du monde. On peut pas dire ça, quand même. Ah, ça a été très calme. C'est, ben, aujourd'hui, de mon côté, ça a même été plus calme qu'hier. Pour nous, c'est pareil. D'abord, la semaine du 15 août, comme ça, les gens prennent des vacances. Hein. Non, ça ah ouais. Ah ouais, ben ouais, c'est ça, oui. Encore la semaine prochaine comme ça, et puis après, je pense que ça reprendra quand même, parce que la rentrée est de bonheur. Donc les profs rentrent le 1er septembre et les gamins le 2. Ok, ah, j'entends qu'un les voir, non, j'entends plus rien. Ah, attends. Ah, mais ça se trouve, c'est peut-être encore les Espagnols. Peut-être ceux que j'entendais tout à l'heure. Ce soir, j'ai intérêt à regarder la météo là pour demain, parce que si je prends la moto qui fait un temps comme ça, je vais pas être content. Alors là, non, pour demain, ils annoncent pas de pluie ni d'orage. Et après, effectivement, tu verras. Ok, bon, pour ce week-end, vu où je vais, je prends la voiture de toute façon. Ben oui, je vais tout un peu. Hein. Ouais, voilà, on s'est compris. T'as vu la miss? Elle est sur la terrasse en train de se faire bronzer. Oh. Et en plus, exagère, elle est à poil. Ah ouais? Elle a osé? Eh oui. Ah oui, mais c'est qu'il y en a beaucoup sur elle aussi. Hein. De ce côté-là, elle est fournie. Hein. Ça doit être une chaîne portugaise. Ah, j'entends vaguement parler dans le lointain. Là. Ok. En train d'arriver à la hauteur de la sortie 8 Libourne Centre. Okay. Ah ouais, là je fais une vidéo. Je supprime ou je garde? C'est toi qui choisis. Allez, je vais te faire plaisir, garde. Bah, c'est comme tu veux, je m'en fous complètement. Hein. C'est. Puis en même temps, tu me dis de garder, ok, pas de problème. Là, je travaillerai tout à l'heure en arrivant, ok, pas de soucis. Sinon, je jette. Hein. Comme je disais juste avant, je m'en fous complètement. Hein. Alors, c'est toi qui es bon. Ah, tu aimes bien dire garde. Oh ben voilà alors. Ok. Bon, c'est ok. Ça mettra un petit peu d'activité de ce côté-là sur YouTube. Ouais, c'est ça.
Voilà, il y a un petit ça a accroché. Hein. Je sais pas, vas-y, parle un peu pour voir. Ok, ça marche. Ouais, par moment ça se barre un petit poil. Ah, donc c'est à surveiller quand même. Ah ouais, ouais, ouais. C'est sur le fil du rasoir, on va dire. Ah, tu vois quand même, hein. Ouais, puisque là, ça fait une voix un petit peu un chouïa dédoublé. Parce que bon, j'ai l'oreille fine quand même. Eh ben moi, c'est pareil, je t'entends pas forcément comme tout à l'heure. Ok, la boîte grise, j'imagine, je sais, je devine comment tu l'as mis, mais sur la position 1. Bon, de toute façon, c'est surtout parce que je suis plus près, quoi. Donc, ce petit con se rebarrerait à nouveau en sucette, hein, un petit peu, un poil. Alors ça, c'est pas top, hein. Ouais, c'est, toi là, c'est le, un de ces foutus composants, je sais pas lequel, j'ai pas compris le ce qu'il m'a dit, hein. C'est qu'il va certainement se modifier avec la température aussi. Le voltage, bon, de toute façon, vu l'alimentation qu'il y a derrière, il n'y a aucune raison que ça se modifie. C'est vrai que là, ça devient un petit peu casse-pompe. Il y a une station qui est passée derrière, je ne sais pas s'il est en BLU. Je vais faire un test. Voilà, station sur 1351 de 14 km, 3301, Dandy 33 en mobile, sur Libourne. Bon, d'accord, à tous les coups, ils doivent être en AMFM, quelque chose comme ça. Oui et non. Non, je n'ai pas dit ta maison, j'ai dit de la station. Je faisais allusion à la station. J'essaye de te filmer pour que tu puisses entendre. Ah, cool. D'accord. Tu viens de commencer juste à l'instant ou parce que j'ai fait une brève coupure vidéo de mon côté. C'est maintenant, ça. Je viens de commencer juste à l'instant. Ok, d'accord. Ben oui, comme ça je pourrais entendre ce que ça donne. Puisque là tu me dis aussi, on écoute, c'est un poil plaisir. Et ça autant tout à l'heure, c'était bien net, c'était bien comme il faut. Et là oui, on sent qu'il y a un petit chouïa de quelque chose derrière là, qui a envie de faire l'andouille. C'est pareil de mon côté. C'est vraiment pas top ça. Bon voilà, là j'ai basculé uniquement sur la puissance du poste. J'ai coupé ce qu'il y a derrière. Pour là ça doit être bien suffisant. Là. Oui oui, je t'entends très bien, hein, c'est nickel. Ouais alors Ah oui non, t'as les deux mains prises. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La boîte grise, tu l'éteins, le bouton qui est... Ouais, la boîte grise, tu l'éteins, voilà, c'est ça. Et le bouton qui est en haut à gauche, celui-là, il est marqué power. Tu le tournes à fond à droite. Thank you.
Tu m'entends toujours? Ah, j'ai cru que je t'avais perdu là sur le coup. Mais on se débarrasse pas de moi comme ça, hein. Ouais, le Nassigar est toujours là, donc y'a pas de souci. Enfin, y'a pas de souci. Si, y a un souci, le souci est vraiment au niveau du poste. Il recommence. Mais bon, là, ça reste encore, comestible. Ah, mais pour moi aussi, ça reste comestible, hein. Mais on voit qu'il y a un petit souci, quoi. Il m'embête. Bah ouais. Ah ça c'est pas cool ça. Bah non. Ouais c'est... ça le fait là, un petit peu là. Ah c'est ça. C'est ça. T'aurais pas une idée sur quoi faire sur le poste. De quoi? Ouais j'ai rajouté la réponse. Je disais, t'aurais pas une idée toi des fois sur quoi faire là, au niveau du poste pour l'arranger. Pour l'arranger, mais attends, moi j'y connais que dalle, hein. Ah, je sais bien, je te taquine. En fait, je suis au repos à la sortie de la roquette Libourg. Ok. Ah, là, je suis au niveau de Citroën Peugeot, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, je suis là. On attend encore. Et là, par la sécurité un peu l'itinéraire, pour aller là-haut, là, sur le carré. Oui, oui. Ouais, histoire de... Oh, quoi que, à tous les coups, ça va nous faire... Quoi que, si ça, je sais pas. Est-ce que ça va nous faire passer exactement comme... quand on est monté sur la Bretagne, ou alors plus. Bah, tout à fait, on attrape la Cénatis. La Cénatis, il y a tant qu'on peut rester dessus. Donc, on continue dessus, parce que de ce côté-là, c'est gratuit, puis ça roule tout aussi vite aussi. Hein. La Cénatis, je crois qu'elle est à 110, et peut-être même des portions un peu plus. Je sais plus, je sais pas. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, hein, on fera ça. Oui, voilà, on fait ça comme ça, oui. C'est... ouais. Ouais, parce que bon, c'est vrai que pourquoi prendre l'autoroute dès le début pour ne pas gagner grand-chose au bout du compte. C'est exactement ça. Bon, pour ma part, je vais éteindre la vidéo. Ok, ça marche. Pour moi, j'ai fait plusieurs coupures, ça, pour relancer un peu. Et il est con ce truc. Ah, voilà. J'ai le détecteur, le radar pédagogique là, qui me mettait 66 km/h, alors que j'étais à 50 au compteur. Et là, pour le coup, le machin, il a compris son erreur, il m'a affiché 48, 49, un truc comme ça. Allez, c'est reparti pour la flotte. À la tête de chance. En tout cas, c'est pour ce soir que j'ai remonté sur le toit pour réajuster l'éclairage enfin des trois spots LED. On a de la merde. Non, mais en tout cas, il marchait bien les trucs. Hein. Et je préfère quand même ça. Bon, c'est branché en 220, d'accord. Mais bon, c'est quand même à LED. Et je préfère quand même ça que les trucs avec panneau solaire où c'est un coup ça veut bien, un coup ça veut pas. Quoi. Ah non, mais tout à fait, on a bien fait. Ouais, t'as eu une bonne idée là. Non, je crois que c'est toi qui l'as eu. Les bonnes idées, c'est connu, c'est toujours toi qui les as. Non, quand même.
Ah, mais ça, c'est pour. Comment dire. J'étais en train de chercher une connerie à dire, mais elle n'est pas venue. Ouais, non, mais bon, la connerie, c'est pas utile, hein, gardez-la pour toi. Et qu'est-ce qu'ils me font là? On est sur la départementale, on est à quoi? À 50-60. Ah, c'est sûr que là, on va pas se faire flasher, là, c'est clair, c'est certain. Eh ouais. Bon, ça va, de toute façon, je sors du boulot, je m'en fous, j'arriverai quand j'arriverai. Voilà, j'arrive à atteindre. Oh, ben oui, hein, ça faut ralentir. Hein. J'en ai un derrière qui arrivait bien vite, il avait vite compris, là, il a une fois rendu à mon cul qu'il était temps de ralentir. Voilà, je vais le rentrer dans les bicarous. Ah tiens, j'ai un tricycle là devant moi, tu sais, pour promener les touristes. Ah oui, ok, d'accord. 100% électrique, il y a marqué dessus, mais je suis pas sûr que la fille qui était au volant soit été très électrique, vu la tête qu'elle tirait. Ah, électrique, ça c'est tout, mais à la course des jambes. Ah, peut-être. Putain, mais la vache, il se barre un peu plus, là, j'ai l'impression, le poste. Ouais. Oh non. Je suis quitte à recommencer. Là, je sens le coup venir que pratiquement à chaque fois, il va falloir que je remette les mains dans les réglages. Ouais, effectivement. Ah oui, puisque même au niveau, quoi que bon, le mien, il a pris un peu de température aussi. Donc j'allais dire, même au niveau calage en fréquence, il a bougé un peu, mais bon, le mien, il a dû bouger avec un peu aussi. Moi. Mais bon, il y a quand même ce petit effet de la cire derrière là qui est pénible. Alors pour la vidéo, c'est pas parce que il y a un problème sur ce CRT 7009 qu'il faut forcément en faire une généralité sur tous les autres postes identiques. Voilà, mieux encore, carrément, comme j'ai pu le voir, condamner carrément la marque. Eh bien non, comme dans toute portée, comme dans bien souvent dans une portée, il y a une tare, eh bien la tare, elle est pour moi. Mais ça, au moins, ça me réconforte, comme ça, au moins, je parais plus intelligent à côté du poste. Voilà, vous avez entendu et compris. Il pleut, bergère, rentre tété, oh, comme on dit, tes moutons. Ouais, ben, c'est mal barré, hein. Si tu veux qu'il continue à pleuvoir, chante. Hein. Ouais, et ben, je crois que c'est ce qui va se passer. Ben là, j'en ai pas encore vos abris à la maison. Ah, t'inquiète pas, je te l'amène. Non, mais c'est pas utile, hein. Arrive sans. Ouais, je fais des efforts, mais je crois que c'est plutôt la pluie que je vais t'amener. Ben, je vois que tes efforts, ça fait pas assez. Ah, bah, il faut que je m'améliore alors. Ouais, ce serait bien quand même, là, pour la pluie. Pour la voir ou pour pas la voir? Ce serait bien pour la pluie que tu t'améliores, c'est-à-dire que tu viennes et sans elle. Ah, il s'est barré un petit peu plus. Ok. Bon, je sais pas. Je me tâte. Ah, oh, ça y est, les sous-entendus, là. Pas du tout. Ouais, admettons. Ouais, c'est ça, admettons. Bon, ouais, voilà, j'ai réussi à me décaler un petit peu plus pour revenir un peu sur sur ta modulation. Normalement, ça devrait être mieux, là. Je t'entends mieux. Et la pluie est arrivée. Ouais. Ah. Bon. Et je m'aperçois que effectivement c'est bien ça. C'est. Là, c'est à nouveau net. Hein.
Donc, ouais, il faut que j'actifie encore, encore et encore le poste. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Wow, et puis ça, c'est dans la boîte. Là, c'est à nouveau net, là, ce coup-ci, hein, tu vois. Le coup, c'est moi qui ne suis pas trop, là. Ah, ça a baissé un petit peu ce coup-ci dans les graves. Putain, mais il se balade sans arrêt, ce petit con. Ben voilà, moi, je suis sur place, et lui, il se balade. Oui. Au fait, là, je suis en train de traverser Saint-Pédarment. Ok, ça marche. Alors, ouais, le routier, en fait, là, je le vois là en face de moi, le relais. J'ai pas fait gaffe si... non, il a pas ouvert, lui. Ou alors il est en vacances, je sais pas. Alors, s'il a rouvert... Le midi et soir, mais pas forcément pour les routiers, c'est plus l'hôtel. Hein. Ah oui? Oui, il y a une pancarte, c'est marqué. Ah d'accord. Pourtant, ils aimaient bien les routiers s'arrêter là, justement. Oui, mais bon, est-ce qu'avec le virus, comment ils peuvent faire? Ça, j'en sais pas rien. Hein. Mais oui, mais bon, c'est justement tout ce qui est hôtel, d'après ce que j'avais compris, ils n'étaient pas spécialement touchés, mais c'est plus au niveau restaurant qu'ils sont touchés. Ben oui, mais là, il y a marqué ouvert, je crois que c'est du lundi au vendredi, midi et soir. Faut pas que je vous regarde. Ouais, 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 d'accord. Ok, bon, en tout cas, pour en revenir au poste, il faudra que je le rectifie à nouveau, mais en étant chaud. Parce que là, effectivement, depuis tout à l'heure, là, qui tourne là, en émission et tout ça, ça l'a fait monter un peu en température, ça l'a fait bouger. Donc c'est là, comme ça, là, qu'il faudrait que je vois ça. Bon, d'accord, d'accord. Oui, effectivement. Ouais, parce que là, là pour le coup, là, de mon côté... ah bah oui, alors je suis en train d'appuyer donc je vois pas ce qui se passe. J'ai monté un poil en fréquence pour te retrouver quoi. C'est donc là il bouge vraiment le 7009. Enfin celui-ci. Tu m'avais perdu. Et je t'ai retrouvé. Voilà, je viens de tourner, je suis sorti de la départementale. Ok, ça marche. En tout cas, avec le léger petit effet d'écho qu'il y a derrière, ça fait sympa quand même là, à t'entendre là, comme ça à la radio. Ça serait de l'effet ? Oh oui. On va les capter à joie. Putain, j'aime ça moi, des gens qui veulent pas trop se ranger là. Pour le coup, j'étais brouté l'herbe. Ah, ça, c'est pas top. Ouais, tout ça pour ne pas que eux salissent leur voiture. Oh, le joli éclair qu'il y a du côté de ta maison. Alors, on va dire que on va s'arrêter là parce que ben, je vais quand même débrancher, ne serait-ce que l'antenne. C'est bon, dis-moi. Ouais, t'as raison, parce que là on fait mumus là comme ça à la Sibi, mais bon, ok, ça marche. Ok, d'accord, je coupe aussi de mon côté. Et de toute façon, là je suis. Alors, comment. Domaine de la Caresse, chemin de la Bourrée. Et c'est pas une blague. Mais pour moi, je prends. D'accord, moi j'arrive. Ok, à de suite. À de suite. Voilà, vous voyez qu'elle est YL en fréquence. Et là, pour le coup, là, ça fait très fort. C'est la mienne. Et c'est vrai que la voix des ondes, on n'entend que très rarement. Alors, là, mis à part, là, il y a une ou deux semaines. La dernière fois, je crois qu'on l'avait entendu en fréquence, ça devait remonter
au précédent cycle de propague, quelque chose comme ça. C'est-à-dire sur une vidéo avec une Gilles 9 Bravo Charlie 655. Et là, ça, c'était pour la journée de la femme. La vidéo est sur la chaîne YouTube, justement, de Gilles. Allez, ben moi aussi, je vous laisse. Il est 19h15, 19h20, autour de ça. Pour les uns, bon apéro. Pour les autres, beau gastro. Et pour tous, bonne soirée. À plus. Reçu aujourd'hui. Voilà. Ah, ça va faire super, ça. Ah, je sais pas si sur la vidéo on va voir comme il faut. J'espère. Il y a plusieurs couleurs. Ok. Est-ce qu'il y a du monde sur le 19? Eh bien oui, la preuve. On est en plein, je suis en plein dessus. Alors voilà, ok. Là, je suis en train de jouer sur les couleurs. Il y a plusieurs effets. 1, 2, ok. Voilà. Alors là, je suis sur le bleu et violet à droite. Ok, vert, bleu. Ok, là. Le rouge il flash, le rouge. Le rouge il irait bien avec le poste. Alors, ok, le multicolore que j'avais tout à l'heure au début, il est où? Il est où? Il est où? Ah, d'accord. Ok, là, c'est pas ça. Ah, voilà. Je crois que c'est celui que j'avais au début. Ok, alors, là. Qu'est-ce que j'ai là? J'y vais à l'aveugle en plus. Là, on a cet effet-là. D'accord. On a cet effet-là. On a celui-ci. Voilà. Ok. Ah, il est pas mal, celui-là. Ouais. Il y a celui-là. Ok, d'accord. Celui-ci. À l'inverse de celui que j'avais choisi. Là, d'accord. Ça, c'est bien quand on met le truc vertical, je pense. Là, ok. Là, ah, voilà. Là, on est revenu à celui que j'avais. Ah, il y a de l'orage. Hein. Ouais, il y a un temps pourri, là, par chez moi. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à le fixer ici. Ah ouais, ça peut le faire, hein. Ça le fait bien même là. Fixé comme ça, là, ici. Oh oui. Alors, à voir avec... Bon, on va réfléchir à la question. Ouais, faire un truc propre. Double face, je suis pas sûr. À voir. Ah ben si, j'en ai du bien, du tout fin. Ok. Ouais, ça peut le faire là, ici. Ou alors juste derrière, j'enlève là les conneries que j'ai mis en dessous. Et. Ouais, non, là. Faut que je fasse quelque chose. Des petites pattes.
pris dans le couvercle. Et pourquoi je cherche midi à 14h, j'attrape directement une double face. Et là, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire comme ça. Bon, on va reposer ça, là, comme ça. Et j'en ai un second identique que je mettrai dans la voiture. Dans la voiture, je vais voir pour le mettre en surplomb du poste. Faut que je vois ce que ça donne. Ça va faire discothèque, ça. Ouais. Ouais. Allez, j'arrête de jouer avec ça. J'ai une vidéo à monter, moi, maintenant. Et là, il y a du boulot. Bon, je dis ça. J'aimerais bien voir. Vas-y, repars. Bon, le choix de la couleur, le choix du défilement n'est pas du tout fixe. Ça sera suivant le sens du vent. À l'intérieur du cuir. Ah oui, ça le fait. Ah ouais, ça va tout à fait avec les Italiens. Ouais. Là, ici, comme ça. Allez-y, lâchez-vous. Ou pas. Bon, ben, de toute façon, il y aura d'autres fois. Ça, c'est sûr, puisque maintenant j'ai ça à la maison, donc c'est nickel. Ah oui, si je dépose trop le vent. Ouais. Ah, essaie. Ah oui. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de jouer avec ça.